Créé en 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, dit FMI, est une institution internationale qui regroupe 189 pays et dont la mission première consiste à promouvoir la coopération monétaire internationale, à garantir la stabilité financière et à faciliter les échanges internationaux. Sous le système Bretton Woods, les pays utilisaient le dollar américain comme monnaie de réserve, hein, comme par hasard. Les banques centrales pouvaient convertir leurs dollars américains en or auprès de la Fédérale Réserve, hein, au prix de 35 dollars l'once. Et suite à l'abandon de Bretton Woods en 1971, hein, le Fonds monétaire international a fini par modifier son rôle qui consiste désormais à aider les pays faisant face à une crise économique et en leur octroyant des prêts. Le Fonds monétaire international est financé par ses pays membres, dont le plus gros contributeur et les États-Unis, bah, qui détiennent par conséquent un droit de veto sur les décisions de l'organisme. Bah, pour ceux qui n'ont pas compris, en langage plus clair, le Fonds monétaire international est l'émanation économique de la politique hégémonique américaine sur notre monde. C'est par cet intermédiaire que les États-Unis sont en train de privatiser toute la planète. Bah, l'objectif de sa création consistait à garantir la stabilité du système monétaire international dont l'écroulement au moment de la Grande Dépression des années 30, avait eu des effets catastrophiques sur l'économie mondiale, ce qui avait entre autres préparé le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier non plus. Pour empêcher que de telles crises économiques ne se reproduisent, hein, le Fonds monétaire international octroie des crédits aux États dans le monde qui sont en grande difficulté économique. Et bien entendu, les taux d'intérêt sont tellement exorbitants qu'ils inciteront automatiquement les gouvernements à devoir privatiser dans tous les secteurs afin de rembourser temporairement la dette. Bah, les secteurs les plus touchés seront en fait les hôpitaux, le système de santé en général, l'eau potable, l'extraction des minerais, du pétrole, du gaz, etc., etc. Dans les années 40, 80, pardon, pris au piège de la dette, les gouvernements du tiers-monde se sont vus obligés de rembourser leur emprunt avec des taux d'intérêt 5 à 6 fois supérieurs à ceux pratiqués sur les marchés financiers. Bah, ces États auront dû alors se plier au plan d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international, qui entraîne la privatisation des services publics, comme je viens de le dire, hein, et l'exportation massive des ressources avec des conséquences désastreuses pour le développement. Et dans leur sillage, eh ben, l'installation durable de la corruption parmi les gouvernements de ces États. Hein. Bah, le remboursement de la dette contractée auprès du Fonds monétaire international nous explique entre autres pourquoi aujourd'hui des pays qui ont des ressources naturelles aussi importantes que la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Mali sont devenus parmi les pays les plus pauvres de la planète. Bah, là où il intervient, le Fonds monétaire international, avec l'aide d'autres organisations internationales, hein, comme la Banque mondiale, hein, octroyant des prêts, négocie donc des plans dits d'ajustement structurel. C'est-à-dire on prête de l'argent et puis on demande à ces pays de modifier leur système économique en gros. On leur demande de privatiser sur tous les secteurs. Bah, parmi les mesures concrètes souvent exigées, on trouve l'ouverture du pays aux capitaux étrangers. Bah oui, c'est logique. C'est la mondialisation à l'échelle planétaire, hein. Et au commerce international. La libéralisation du marché du travail, la réduction du poids de l'État, c'est-à-dire la privatisation de nombreuses entreprises. Bah, les interventions du Fonds monétaire international, même si elles permettent un dépannage temporaire des pays du tiers-monde, hein, qui les acceptent, bah, aggravent en fait leur pauvreté et leur dette, en supprimant ou diminuant la capacité d'intervention de ces États, ce qui les empêcherait de mieux régler leurs problèmes. Bah, car comme vous le savez, le Fonds monétaire international préconise les mêmes plans d'ajustement structurel de leur système économique, bah, essentiellement des privatisations et des ouvertures du marché intérieur, hein, à tout pays demandeur d'aide, sans analyser en profondeur la structure de chacun de ces pays. Car tous ces pays du tiers-monde n'ont pas le même nombre d'habitants, ne produisent pas la même agriculture, par exemple, ne possèdent pas les mêmes ressources minières, gazeuses et pétrolières. Bah, le Fonds monétaire international réclame une politique de privatisation à tous ces pays, sans trop se soucier de toutes ces données, ce qui crée des catastrophes, comme vous le savez. Bah, parmi les mesures concrètes, entre autres exigées par le FMI, on trouve l'ouverture du pays aux capitaux étrangers et au commerce international, la libéralisation du marché du travail, la réduction du poids de l'État.
Face à tous ces plans d'ajustement structurel, hein, les populations deviennent de plus en plus critiques, hein, envers leur gouvernement, mais finissent par se résigner à l'obéissance contrainte par la force armée. Par exemple, la population sénégalaise n'avait pas compris pourquoi son pays avait dû privatiser une partie de ses chemins de fer, ce qui avait abouti à la suppression de certaines lignes. La privatisation de son office national vétérinaire avait conduit à l'augmentation des prix des produits vétérinaires, entraînant ainsi un développement des épidémies et des parasites, hein, ce qui avait décimé certains troupeaux et abaissé la qualité sanitaire des animaux, empêchant par la suite l'exportation du bétail. Bah, la situation en Guinée était la même, hein. En Mauritanie, la suppression de la propriété collective traditionnelle de la terre avait entraîné une concentration de la propriété foncière privée dans les mains de transnationales agroalimentaires. Bah, lui, le Ghana, subira à son tour les méfaits de ces ajustements structurels réclamés par le Fonds monétaire international. Avant les années 80, le Ghana était considéré comme un pays en voie de développement prometteur. Mais la crise économique que connaîtra le pays l'amènera dans une situation locale désastreuse au niveau des services de base. Bah, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale proposeront de l'aider en lui octroyant des prêts sous la condition dite d'ajustement structurel. Bah, voyons. Le pays sera contraint de s'impliquer dans le libre-échange en orientant la production interne vers l'or et le cacao plutôt que vers les productions vivrières. Et l'incitation à la récupération des coûts va entraîner la privatisation des services publics de base, de soins et de l'eau. Ben oui, c'est la politique du Fonds monétaire international, privatiser les différentes économies de la planète. L'implantation d'entreprises étrangères sera favorisée grâce à une politique fiscale avantageuse et une réglementation peu contraignante, notamment vis-à-vis de l'environnement. Ben, la richesse en or de la province du Katanga, avait entre autres attiré l'industrie minière. L'État ghanéen avait dû délocaliser la population locale qui vivait de bananes, manioc, huile de palme et arachides. Les paysans avaient touché une petite indemnité assez ridicule, hein, et les manifestations qui s'en étaient suivies avaient été éloignées par la force militaire. Bah, l'activité d'extraction avait fini par stériliser les champs alentours, hein. Les déblais avaient envahi les champs de manioc, hein, et la pollution métallique en avait affecté l'air et l'eau. C'est assez désastreux, hein, parce que, comme vous le voyez, la politique du Fonds monétaire international détruit progressivement toutes ces nations. Jusqu'alors, toutes les rizières, sont restées en jachère. Ben, le Fonds monétaire international, bien qu'il prétend aider, les pays en voie de développement, a fini par favoriser l'endettement de ces pays du tiers-monde, hein. Collabore assez étroitement avec les sociétés multinationales qui pillent les richesses de tous ces pays. En réalité, le Fonds monétaire international n'est qu'un système d'escroquerie légalisé par ces institutions financières avec l'aval de leurs gouvernements respectifs. Il consiste à imposer aux pays endettés de payer les intérêts de la dette contractée auprès du FMI, hein, qui représentent des sommes colossales, plusieurs fois supérieures aux sommes prêtées. Bah, ce système alourdit la dette des pays concernés et les rend dépendants de la politique des prêteurs, qui leur mettent le couteau sur la gorge durant la période du paiement échelonné, qui peut durer des dizaines d'années. Par le biais de cette manipulation financière subtile, hein, les pays développés appauvrissent davantage les pays du tiers-monde concernés, aussi bien sur les plans économiques et financiers que sur les plans sociaux, hein, éducatifs et culturels. Bah, il leur impose de gérer leurs propres institutions selon la politique des États prêteurs. Bah, en langage plus clair, le Fonds monétaire international, c'est une émanation capitaliste américaine en gros. Les États-Unis se servent de certains de ces organismes, hein, je parle du FMI et de la Banque mondiale, pour prêter de l'argent afin d'inciter tous ces gouvernements à pratiquer une politique d'ouverture de marché et de privatisation de leur économie. Et en privatisant leurs économies, ben logiquement, que se passera-t-il, hein? C'est des sociétés privées qui vont s'accaparer le monopole de l'énergie, de l'eau, de la nourriture. Et les prix vont se mettre à flamber parce que toutes ces sociétés voudront faire du profit. Et ainsi, les États-Unis installent le même système économique que le leur un peu partout sur la planète. Ils l'exportent en gros. Le FMI, c'est un peu une représentation de l'hégémonie américaine à travers le monde.